Quand tu pries en langue, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu le Père. Quand tu pries en langue, tu glorifies le Seigneur. Akayande boche kebaya. Ayande boche de. Parce que nous voulons suivre le Maître. Nous sommes là pour suivre Jésus. Nous ne sommes pas là pour suivre quelqu'un d'autre. C'est lui que nous suivons. Nous suivons le rocher de notre salut. Nous suivons le berger de nos âmes. Nous suivons le Père de miséricorde. Nous suivons le Maître. Ah, c'est pour cela que nous sommes là. Bien-aimé, tu n'es pas ici pour quelqu'un. Tu n'es pas ici pour quelqu'un d'autre. Tu es ici pour lui. Tu viens t'abandonner à lui. Parce que tu veux voir le projet de paix et non de malheur se révéler et se manifester dans ta vie. C'est pour cela que tu es là. Il nous a rassemblés pour accomplir des bonnes œuvres. Des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Notre vie a de l'importance que si nous accomplissons la volonté de Dieu le Père. Ah, c'est pour cela que nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui. Ah, nous sommes là pour lui. Ah, je suis là pour toi. Est-ce que tu peux lever la voix? Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Oh Jésus, je suis là pour toi. Oh Jésus, je suis là pour toi. Oh Jésus, je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre. Je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas venu ici pour accompagner d'autres personnes. Ah, oh Jésus. Je suis là pour toi. Oh Jésus. Je suis là pour toi. Ah, oh Jésus. Je suis là pour toi. Élève la voix, dis-lui, je suis là pour toi. Dis-lui, je suis là pour toi. Je suis venu pour te suivre. Je décide de toi abandonner. Pour te laisser la première place. Parce que je reconnais que tu es le rocher de mon salut, tu es le bouclier de ma foi. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre. Oh, je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre. Je suis là pour le Père de miséricorde. Je suis là pour celui qui m'a envoyé Jésus. La parole de Dieu déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Élève la voix en langue. Élève la voix encore en langue. Parle en langue. Je veux entendre la ferveur dans cette salle. Je veux entendre la ferveur. Parce que le feu divin, c'est le standard de l'Église. Le standard de l'impact de centre chrétien maintenant. Parce qu'il est le feu divin. Il est le feu divin. Ayande boche de bababaya. Il est le feu divin. Alors c'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que je suis là. Parce que je dois manifester la nature de Christ. Il est un feu. Il a dit, ma parole n'était-ce pas un feu? Un marteau qui brise le roc. Bien-aimé, tu dois être un feu. Alors tu dois être embrasé dans cette préparation spirituelle. Dans cette préparation spirituelle, tu dois être un chaud bouillant. Alors nous sommes en train de nous préparer.
Nous sommes en train de nous préparer afin d'être chauds, Kouya. Et gardez vos chèvres, bagaille, vos chèvres. Aïe, abraca, ah, j'ai trop attendu. Je ne vois que les autres avancer. Et même moi, ma vie n'avance pas. Pourquoi ma vie n'avance pas? La clé, bien-aimé, c'est d'être un feu. La clé, c'est d'être un feu. Afin que celui qui a essayé de bloquer ta vie puisse être consumé. Ah, c'est pour cela que tu dis, je suis là pour toi. Ah, je suis. Ah, Jésus, je suis là pour toi. Oh, Jésus, je suis là pour toi. L'amour de ma vie, je suis là pour toi. Le rocher de mon salut, je suis là pour toi. Ah, Jésus, je suis. Je suis là pour toi. Ah, Jésus, je suis là pour toi. Élève la voix, continue, élève la voix. Je suis là pour toi. Élève la voix, élève la voix. Parle en langue, parle. Est-ce que tu peux prier? Tu peux te focaliser? Sois focalisé, il y a des roches à la. Parce que nous voulons voir ce pays embrasé. Nous voulons voir le feu dévorant dans cette ville de Massy et dans les villes environnantes. Nous voulons voir la gloire de Dieu descendre. Oh, il y a des roches des bas. Non, nous ne serons plus comme des glaçons, non. Ah, c'est fini cette époque. Le standard a changé. Là, le standard a changé. Dorénavant, tu es un feu. Pendant tout ce temps, le 21 jours, ah, il y a des roches. Le Seigneur nous a monté, nous a fait monter à la montagne, nous a fait monter au volcan. Alors, nous ne voulons plus descendre. Nous refusons de descendre. Nous voulons demeurer au volcan. Nous voulons demeurer embrasés. Alors, la ferveur divine doit être ton partage. Ta ferveur divine doit être ton partage. Continue à élever la voix. Et des bouches, et des bouches, et des bouches, et des bouches, et des bouches. Tu es mon maître, oh 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 tu es mon maître. Ah, je décide de te suivre. Tu es mon maître. Ah, je décide de te suivre. Tu es mon maître. Oh oui, tu es mon maître. Oh tu es mon maître. Oh tu es mon maître. Ah, je décide de te suivre. Tu es mon maître. Je reconnais ma vie, c'est pour toi. Tu es mon maître. Je reconnais que je suis un sacrifice. Tu es mon maître. Je me livre en sacrifice vivant. Tu es mon maître. Ah, je m'abandonne totalement. Tu es mon maître. Ah, viens saisir ma vie, oh ce soir. Viens me transporter dans ta gloire. Tu es mon maître. Amène-moi, Seigneur, de gloire en gloire. Tu es mon maître. Parce que, Seigneur, je veux te toucher. Tu es mon maître. Ah, Seigneur, je ne veux pas te lâcher. Tu es mon maître. Ah, Seigneur, je ne veux pas te lâcher. Tu es mon maître. Ah, ce soir, je me comporte comme Jacob. Tu es mon maître. Oh, ce soir, je me comporte bien-aimé. Je me comporte comme Jacob. Jacob a dit non. Il a dit non. On m'a trop trompé. J'ai trop attendu. J'ai trop souffert. Et on m'a donné un nom qui me colle à la peau. On a dit que je suis mensonge, menteur, menteur, trompeur. Bien aimé, parfois il y a des personnes qui t'ont donné des noms par rapport à ce qu'ils ont vu de toi. Il y a eu peut-être des hôtels qui ont parlé contre toi. Et tu as eu peut-être une certaine attitude. Après cette attitude, on t'est collé à la peau. Et les personnes autour de toi, même dans la famille, les collègues de travail, n'ont fait que te descendre.
en appuyant là où ça fait mal, en mettant le doigt là où ça fait mal. Alors toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, tu as subi, tu as subi. Alors bien-aimé, aujourd'hui, c'est la fin de cette histoire. Ah, refuse de subir. Aïe, là-bas, c'est la fin de cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, tu décides d'être un feu. Aujourd'hui, tu décides de ne pas sortir comme tu es venu. Aujourd'hui, tu décides de vivre pour son bon plaisir. Aujourd'hui, cette soirée, c'est une soirée spéciale. Une soirée des amoureux de Christ. Une soirée des passionnés. Une soirée des personnes qui sont embrasées. Une soirée, c'est des personnes qui sont désespérées. Une soirée des personnes qui veulent voir les choses changer. Une soirée pour voir la transformation. Parce que la métamorphose, c'est aujourd'hui. La transformation, c'est aujourd'hui. Mon changement, c'est aujourd'hui. Parce que je reconnais que tu es. Ah, tu es mon maître. Ah, tu es mon maître. Donne-moi, Seigneur, à le savoir. Tu es mon maître. Donne-moi, Seigneur, à le répéter. Tu es mon maître. Donne-moi, Seigneur, à le proclamer. Tu es mon maître. Donne-moi, Seigneur, à le rassasier. Tu es mon maître. Ah, je veux rassasier ça à l'intérieur de moi. Parce que je ne veux pas suivre quelqu'un d'autre. Je fixe mon regard vers l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Alors bien-aimé, continue à élever. Élève la ferveur. La ferveur. Je vais entendre. Je vais te voir en feu ce soir. Je vais te voir en feu ce soir. Je vais te voir en feu. Et en abrochez des bababababochez qui bababababochez. Et en abracababababababochez des bababababochez qui bababababochez. Et en abracababababochez des bababababochez. Et en abrochez des bababababochez des bababababochez. Et en abrochez des bababababochez des bababababochez des bababababochez. Et débauché, que baïa débauché, ah, le maître de ma vie, accorde-moi la grâce de je suis. Accorde-moi la grâce de je suis. Papa, baïa débauché. Aujourd'hui, tu vas apprendre à mourir à toi-même afin que la gloire de Dieu se révèle et se manifeste dans ta vie. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous devons voir des cadavres. Il ne restera que des cadavres dans cette salle. Amen. Des personnes qui sont mortes à eux-mêmes. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Ce Christ qui vit en moi. Il faut qu'il soit le seul à vivre. Il faut qu'il soit le seul à vivre. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu si nous sommes encore vivants. On ne ressuscite que des morts. Si tu es vivant, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, bien-aimé. Tu ne pourras pas voir la résurrection. Tu ne pourras pas toucher la vie. Alors c'est pour cela, alors tu dois rechercher à mourir à toi-même. Alors c'est pour cela, pour te préparer, alors tu dois être toujours chaud bouillant. Continue à t'approcher des bailes. Et débaucher des bababababoucher des bababababoucher des bababababoucher des bababababoucher. Et débaucher des bababababoucher. Et débaucher des bababababoucher des bababababoucher. Nous allons lire Zacharie 12, verset 10. La parole de Dieu déclare. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. C'est lui
qu'ils ont percé. Regardez vos chèques. Alors, je répandrai sur la maison d'Israël un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de prière. Bien-aimé, dans cette saison, tu dois être saisi par l'esprit de prière. Tu dois avoir la ferveur. Rechercher la ferveur. La ferveur. La soif, ça vient par, à partir de la soif. La parole de Dieu a dit, à celui qui a soif, le fleuve d'eau vive jaillira de son sein. Ça veut dire que tu dois avoir soif. Tu dois rechercher la ferveur. Parce qu'il a dit, je répandrai dans la maison d'Israël. Ça veut dire que dans son église, il va répandre un esprit de grâce et de supplication. Donc ça veut dire que cette grâce est palpable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette grâce est là, est disponible. La grâce de cette ferveur est là, est disponible. L'esprit de grâce et l'esprit de supplication, c'est là. Alors tu dois prendre conscience de ça. Là où tu es, continue à élever la voix. Élève la voix. On va continuer quand on chantait. Tu es mon maître. Oh, tu es. 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 Tu es mon maître. Ah, c'est le sang qui monte en moi ce soir. Tu es mon maître. C'est le sang qui monte en moi ce soir. Tu es mon maître. Je veux reconnaître que tu es. Tu es mon maître. Je veux reconnaître que tu es. Tu es mon maître. Dans ma famille, oui, je reconnais. Tu es mon maître. Dans mon travail, je reconnais. Tu es mon maître. Dans ma dans mon voisinage, je reconnais. Dans partout où je suis, je reconnais mon maître. Que tu es. Tu es. Tu es mon maître. Oh, dans ma vie, tu es. Tu es mon maître. Oh, oui, dans ma famille, tu es. Tu es mon maître. Alors je le dirai en tout temps. Tu es mon maître. Je repasserai ce chant en tout temps. Tu es mon maître. Je repasserai ce chant en tout temps. Tu es mon maître. Est-ce que tu peux élever la voix et dire. Mon maître. Est-ce que tu peux lever la voix et le répéter? Tu es mon maître. Ah, tu y es, tu y es, tu y es. Tu es mon maître. Oh, tu y es, tu y es. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Oh, tu y es, tu y es. Tu es mon maître. Oh, tu y es, tu y es. Tu es mon maître. Oh, oui, tu y es, tu y es. Tu es mon maître. Ah, dans ma famille, je reconnais. Tu es mon maître. Oh oui, dans mon foyer, je reconnais. Tu es mon maître. Oh oui, dans ma famille, je reconnais. Tu es mon maître. Ah, je fixe mon regard vers toi, mon tu Dieu. Tu es mon maître. Je fixe mon regard vers le consolateur. Tu es mon maître. Celui qui est le consolateur de ma vie. Tu es mon maître. Celui qui est l'auteur et le consommateur. Tu es mon maître. Parce que je n'ai point d'autre, je n'ai personne d'autre, je n'ai personne d'autre. Ah, je te reconnais mon maître. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Élève la voix. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à te franchir, à t'affranchir d'un péché, quand tu n'arrives pas à sortir d'un péché, le type de péché qui se répète à chaque fois, tu veux avancer, mais tu tombes. Tu veux avancer, mais tu tombes. Tu dois savoir qu'il y a une solution pour toi. La solution, c'est de fixer ton regard vers Jésus. La solution, c'est de fixer ton regard vers ton Seigneur.
La solution, c'est de fixer ton regard vers celui qui est le maître de ta vie. Parce que dans cette famille spirituelle, nous voulons être chauds. Nous ne voulons plus la nonchalance, non. Nous ne voulons plus la paresse, non. Nous ne voulons plus la lanterne, non. Nous voulons être vifs d'esprit. Nous voulons la ferveur. Nous voulons être fervents d'esprit. Nous voulons être chauds bouillants. La paresse ne peut pas être le même. La paresse ne sera plus jamais ton partage. Parce que tu décides d'être un feu. Notre Dieu fait son jugement par le feu. Il exerce ses jugements par le feu. Parce qu'il est un feu. Sa parole est un feu. Et il a mis dans ta bouche les paroles de feu. Alors tu dois lever la voix et parler. Tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce qui t'empêche de pouvoir avancer. Aujourd'hui, ça doit tomber. Aujourd'hui, ça doit s'écrouler. Aujourd'hui, ça va tomber. Comme Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils étaient enchaînés. Ils ont fait que célébrer. Ils ont fait que louer. Ils ont fait que bénir le Seigneur. Et le fondement de la prison était ébranlé. Et tous les prisonniers qui étaient là ont été délivrés, ont été sauvés, délivrés. Ça veut dire que, bien-aimé, là où tu es, là où on t'empêche de prospérer, on est en train aussi de lier, d'empêcher ta progéniture, les personnes avec qui que tu dois avancer. Parce que Dieu t'a mis comme un libérateur et une libératrice dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Et il nous a donné une destinée ici à Massy. Il nous a donné une destinée prospérée ici à Massy. Et tu ne peux pas prospérer si toi-même, tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas d'élever un homme, c'est d'élever tout un peuple. Tu dois savoir, bien aimé, il y a un peuple qui doit t'accompagner. Un peuple doit t'accompagner. Parce que tu es un libérateur. Tu es une libératrice. Dans les domaines de ta destinée, tu es un libérateur. Alors c'est tout un peuple. Alors si toi, tu es affranchi de tout ce qui t'empêche d'avancer, alors tu vas voir comment le Seigneur va commencer à te faire avancer. Si toi tu prospères, si ma soeur prospère, mon frère prospère, nous tous, alors cette église prospérera. Alors on doit clamer le Seigneur. Tu es mon maître, oh tu es le maître. Alors ma famille, tu es mon maître. Oh oui, dans mon foyer, tu es mon maître. Parce que tu es le rocher de mon salut. Ah, tu es le bouclier de ma chambre. Quand je n'arrive pas, j'ai tout mon regard vers toi. Tu es mon maître. Ah, tu es mon maître. Ah, tu es mon maître. Quand je n'arrive pas, je crie à toi. Tu es mon maître. Parce qu'il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré, sera sauvé, sera restauré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Celui qui prie à lui, alors, d'une manière sincère, le Seigneur s'approchera de lui. Il a dit, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Ça veut dire qu'il attend que tu fasses le premier pas. Il attend que tu fasses le premier pas. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, tu dois décider. Tu dois décider. Parce que l'esprit de grâce et l'esprit de supplication est disponible. L'esprit de grâce est là. L'esprit de supplication est là. Tu es mon maître. Alors élève la voix. Élève la voix. Yadaba shandaba daba roche de baba ya roche. Élève roche de baba roche de baba baba ya. Yadaba daba roche de baba. Les chaînes tombent aujourd'hui. Les chaînes tombent. Les liens vont se briser aujourd'hui. Le lien d'assouplissement vont se briser aujourd'hui. Les jours seront détruits aujourd'hui.
les fardeaux seront ôtés aujourd'hui. Parce que cette église doit prospérer. Parce que nous devons saisir. Il y a des projets de Maya. Nous devons saisir, te saisir. Quand tu saisis le Seigneur, alors une force va se libérer. Une force va se décharger sur toi. Alors aujourd'hui, nous allons toucher le Seigneur. Alors, une grande grâce sera libérée. Une grande grâce sera libérée dans cette église. Une grande grâce sera libérée pour préparer la moisson. Pour préparer la grande moisson. Pour préparer la grande moisson. Parce que c'est la saison de la grande moisson. Alors, pour voir la grande moisson, tu as besoin d'une grande grâce. Alors aujourd'hui, nous soupirons pour la grande grâce. L'esprit de grâce de supplication. La grande grâce. La grâce de la prière. La grâce de la prière fervente. La grâce de la prière fervente. Parce qu'il fait ce jugement avec le feu. Il exerce le jugement par le feu. Il exerce le jugement par le feu. Les jugements sont par le feu. Les jugements sont par le feu. Les jugements sont par le feu. Ah, les ennemis sont détruits par le feu. Ah, est-ce que tu peux lever la main? Les ennemis sont détruits par le feu. Ah, oh, ce soir, ils sont consumés par le feu. Aujourd'hui, ils sont rôtis par le feu. Dans cette soirée, ils sont rôtis par le feu. Dans cette saison, ils sont rôtis par le feu. Parce que notre Dieu exerce le jugement par le feu. Parce que notre Dieu exerce le jugement par le feu. Alors tout ce qui m'empêche d'avancer par le feu. Attendez, moi, tout ce qui m'empêche d'avancer par le feu. Aïe, 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 oh, il exerce le jugement par le feu. Quel que soit ton nom, aujourd'hui tu es rôti. Gardez pour Chaya. Aujourd'hui tu es détruit par le feu. Ayanda, aujourd'hui tu es détruit par le feu. Parce que cette église doit prospérer par le feu. Parce que nous sommes le feu divin par le feu. Parce que il exerce ses jugements par le feu. Parce qu'il a mis dans ta bouche des paroles de feu par le feu. Quiconque essaie par le feu. Bien aimé, il a dit dans sa parole. Formez des projets. Esaïe 8, verset 10. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec cette église. Dieu est avec cette famille spirituelle. Tu dois prendre conscience que le manteau apostolique et prophétique de la maison parle pour toi. Parle dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu ne dois pas avoir la tête baissée. Même si tu entends une voix qui te dit baisse la tête. Même si tu entends une voix qui te dit baisse la tête, tu ne pourras pas réussir. Alors souviens-toi de cette parole qui dit oh, il exerce ses jugements. Ah, il exerce ses jugements. Exerce ses jugements par le feu. Alors, je suis en pleine confiance par le feu. Parce que mon Dieu est là par le feu. Parce qu'il exerce ses jugements par le feu. Parce que les ennemis sont rôtis par le feu. Parce que les ennemis sont détruits par le feu. Parce que les ennemis sont consumés par le feu. Parce que les ennemis sont consumés. Parce que tout ce qui n'est pas de toi est détruit. Alors nous prospérons par le feu. Parce que nous sommes le feu divin par le feu. Il exerce ses jugements par le feu. Il exerce ses jugements par le feu. Débauche, elle est de la voix. Continue de mettre en feu. Yanda Bachata Baba. Continue à élever la voix. Yanda Bosch. Si je suis un feu, je suis un feu, mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est avec moi.
Alors, quel que soit le projet de l'ennemi, il renverse les projets de l'ennemi. Il renverse. Ils ont dit que dans mon foyer, je ne peux pas avancer. Ils ont mis un plateau de verre pour dire que non, on ne pourra pas avancer. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons les Seigneur. Dans la maison de chaque maison ici, représentée, nous allons tous servir le Seigneur. Quand nous disons, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, ça veut dire que ton mari servira le Seigneur, ta femme servira le Seigneur, tes enfants serviront le Seigneur, toute ta progéniture, tout ce qui est en toi servira le Seigneur. Amen. Alors tu dois prendre conscience de ça. Parce que tu reconnais qu'il est ton maître. C'est lui qui conduit. Il fait simplement que tu obéisses. Obéis au son de sa voix. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il est la solution pour toi. Si tu lis dans Romains 6, Romains 6, je vais lire à partir du verset 17 ou 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Déjà par rapport à ce passage, tu dois savoir, tu dois refuser d'obéir à la voix qui n'est pas la voix du Saint-Esprit. Si tu fais simplement de compromis, tu vas finir à devenir esclave. L'esclave de celui à qui tu as obéi. Refuse la vie de compromis. Tu regardes ce que Dieu veut et tu suis, même si c'est difficile. Là, tu dois tout faire de tout ton effort. L'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Je n'ai pas vu encore quelqu'un ici dans cette église en train de se battre jusqu'au niveau du sang. Pour son salut. L'apôtre Paul a vécu des moments difficiles. Si tu regardes son CV, tu vas voir, il a fait naufrage, trois fois naufrage. Il a été roué de coups, laissé à demi-mort. Combien de fois il a souffert? Mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais fait de compromis. Alors refuse une vie de compromis. Alors élève la voix, élève la voix. Élève la voix et dit, ah je refuse, je refuse. Ah yade boshaya. Il faut que tu puisses avoir une certaine colère. Quand tu vois quelque chose ne va pas dans ta vie, quelque chose, quand tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, alors, ah, refuse. Tu dois refuser. Tu dois penser à l'apôtre Paul. Il n'a jamais, il ne s'est jamais compromis. Il ne s'est jamais compromis. Malgré les coups, malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les naufrages, malgré, il a été battu 40 coups voisins. Il a été battu. Il a souffert dans sa chair. Mais il n'a jamais abandonné. Alors refuse. Il y a ta brache. Refuse, Yadevosh. Ah, je refuse. Je refuse. Je refuse de me compromettre. Ah, je refuse de me compromettre. Je refuse.
choisi toi, mon Dieu, ma vie, le rocher de mon salut, mon abri sur toi. Tu es mon abri, tu es ma forteresse, je m'appuie sur toi. Quand je suis faible, je viens m'appuyer sur toi. Quand je suis faible, je viens m'appuyer sur toi. Quand je suis à découvert, mon abri sûr, c'est toi. C'est toi ma haute retraite. C'est toi ma forteresse. C'est toi mon berger. C'est toi qui me conduis dans le vert pâturage pour me nourrir. Tu me délivres de tes eaux paisibles. Ah, parce que tu veux que je puisse être restauré. C'est toi qui restaure mon âme. Quels que soient les défis, quelles que soient les blessures, quelles que soient là où il y a des rochers. J'ai eu des coups, j'ai été touché à l'intérieur de moi. Mais malgré ça, je refuse de me compromettre. Malgré, j'enlève l'amertume. Extirpe l'amertume de ton cœur. Extirpe, pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait mal. Pardonne à toutes les personnes. Ne fais pas des compromis. Ne te livre pas. Et à ta bouche, des baillas. Pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait mal. Pardonne, enlève l'amertume. Enlève le manque de pardon. Ah, ça t'empêchera d'avancer. Tu dois avancer dans cette saison. Il faut que ton cœur soit pur. Parce qu'il faut que tu vois la gloire de Dieu manifeste. Il faut que tu vois la gloire de Dieu manifeste. Il faut que le Seigneur te parle. Il faut qu'il te montre ce qu'il y a à faire. Parce que Jésus ne faisait que ce que le Père le montrait. Et ce que Dieu fait, lui aussi le Fils le faisait. Alors, refuse le compromis, c'est un piège. Refuse. Mon maître, ah tu es, tu es mon maître, ah tu es, tu es mon maître, même dans les couches du ciel, tu es mon maître, même dans le combat je vais dire, tu es mon maître, même dans la souffrance je veux dire, tu es mon maître, ah même dans les sacrifices ultimes, tu es mon maître, ah je l'abandonnerai pas, tu es mon maître. Je suis comme dans un ring où je suis, j'ai des coups, je reçois des coups, je reçois des coups, mais je ne fais qu'avancer, je ne fais qu'avancer, parce que je fais confiance à celui qui a dit, je suis un esclave de Christ, il est mon maître, il a dit, il ne me pardonnera pas, il ne me délaissera pas, je serai avec lui jusqu'à la fin des jours. Alors, cette parole, sur la base de cette parole, rien ne pourra me ramener en arrière, rien ne me séparera de l'amour de Christ, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je resterai attaché à toi, je demeurerai attaché, je resterai dans le rocher de mon salut, dans mon abri sûr, je m'appuierai sur toi au quotidien, tous les jours de ma vie, parce que tu es, parce que je veux voir la gloire de Dieu manifeste, parce que je veux voir ce pays, oh, gagner à Christ. Alors, il a besoin de moi, il a besoin de toi, mon frère, il a besoin de toi, ma soeur. Alors, si tu es un blessé de guerre, tu vas affaiblir le couple, tu vas affaiblir l'église. Refuse d'être un blessé, ah, refuse de pouvoir. Là, il y a des rochers. C'est comme les enfants d'Israël, ils sont restés à Gilgal, ils ont pansé leurs blessures, ils se sont guéris. Alors aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de te guérir. Là, nous sommes à Gilgal. Tout y en a vache, aucune blessure ne restera dans les cœurs. Parce que nous tournons nos regards vers toi. Parce que nous décidons de suivre Jésus. Parce que nous décidons de suivre notre maître. Parce que c'est lui qui nous emmène. Il nous emmènera à Jéricho. Là où l'amour, il nous emmènera à Bethel, à Jéricho et dans Jourdain. Là où nous allons voir la gloire de Dieu manifeste. Alors ce chemin, je le ferai comme Élisée. Je ne dirai pas, je ne dirai pas, j'ai des choses à faire. Je ne dirai
pas. Oh, j'ai la famille à faire, à regarder. Non, je ne vais pas m'éclipser. Mais Atada Boshaya, je vais venir à suivre le maître, le rocher de mon salut. C'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui m'a appelé. Ce n'est pas en vain qu'il m'a appelé. Ce n'est pas en vain qu'il t'a appelé. Il t'a appelé pour un but. Il t'a appelé pour accomplir sa gloire. Il t'a appelé pour manifester son règne. Alors, Seigneur, c'est lui qui nous a mis ensemble dans cette église. Parce qu'il a déversé des grâces dans ta vie. Il a déversé des grâces dans la vie de ma soeur, de mon frère. Et tous ensemble, une abondante grâce que nous recevons. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été inscrit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Esclave de la justice. Bien-aimé, tu es la justice de Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu décides de suivre, alors il va exercer ses jugements par le feu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, il y a une grâce excellente de suivre Jésus. Alors tout ce que tu vas faire, tu dis, moi je te suis. Moi, je te suis. Parce qu'en te suivant, il y a une grâce excellente. Toutes les paroles libérées en disant que je suis la justice des dieux. Donc ça veut dire que quand quelqu'un essaye de me toucher, vaut mieux pour toi, comme dit pasteur Yves, vaut mieux pour toi de rester à ta place. Parce que le char de combat que je suis va venir t'écraser, il va venir te démolir. Amen. Bien-aimé, ne te laisse pas influencer, intimider, non. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit afin de voir la dimension spirituelle. Bien-aimé, quand le Seigneur le fait, tu vas voir. C'est pour cela. Élisée, il était sans crainte. Alors que son serviteur qui était là, il voyait. Et oui, il était charnel, mais Élisée était spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es spirituel, bien-aimé, quels que soient les combats qui arrivent, quelles que soient les choses qui arrivent, ah, bien-aimé, tu es comme un aigle. Parce que le Seigneur te montre. Il va te montrer. Alors il te dit, reste calme. Et il te montre l'avenir. Il te dit, reste calme. Mais si tu es charnel, tu ne vois rien. Et comment on est charnel? Parce qu'on est meurtri. On a l'amertume. On a la colère. On a la haine. On a le manque de pardon. Et là, tu es charnel. Tu es sur la terre. Et quand tu es sur la terre, tu ne peux pas voir le Seigneur. Sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Et si tu ne peux pas voir le Seigneur, tu ne pourras pas voir et avoir le discernement quand les combats se multiplient. Bien-aimé, il y a des montagnes qui s'élèvent, mais tu ne prends pas derrière cette montagne, il y a peut-être d'autres montagnes qui se cachent. Si tu ne prends pas de la hauteur, tu ne pourras pas voir et dévoiler leur plan et anéantir. Bien-aimé, dans Osée, la parole de Dieu déclare que quand tu montes, en réalité, quand tu es comme un aigle, les montagnes sont comme de la plaine.
ils sont aplanis. Dans Zacharie 4, 6. Les montagnes sont des plaines en réalité. Mais pour celui qui est dans les lieux élevés, celui qui est en hauteur peut voir des plaines. Mais si tu es sur la terre en étant charnel, tu verras les montagnes. Si tu rencontres des difficultés, essaie de t'examiner où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu te situes sur la terre ou tu te situes dans le troisième ciel? Parce que notre positionnement, c'est au troisième ciel. Le deuxième ciel, c'est là où il y a l'ennemi qui est là. Au deuxième ciel, il y a les esprits mauvais. C'est leur demeure. Donc si toi tu es sur la terre, alors ils vont t'écraser. Ils feront de toi juste une bouillie. Alors tu dois refuser, non? Refuse d'être charnel. Refuse. C'est pour cela, pour vous avoir voir la résurrection, tu dois mourir. Pour mourir, pour mourir, comme a dit Bishop Dyke dans ce livre, il a donné 4 étapes pour mourir. Je vais juste vous donner, peut-être dans la classe d'affermissement, on en parlera en détail, mais il a donné 4 étapes. Le Seigneur m'a conduit vers ce livre. Il m'a dit, pour mourir, tu dois apprendre à perdre. Est-ce que tu peux apprendre le Seigneur? Tu dois apprendre à perdre. Jésus a dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour mourir, il faut apprendre à perdre. Si tu veux conserver ta vie, alors tu n'arriveras pas à la mort. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de vivants. C'est pour cela qu'on ne voit pas la résurrection. C'est pour cela qu'on ne voit pas les miracles. Beaucoup de miracles. Parce que Jésus-Christ faisait des miracles à chaque instant. Sa parole est miraculeuse. Dès qu'on reçoit une parole, nous devons voir le miracle associé. Mais si nous ne voyons pas, examinons-nous. La première condition, il a dit, il faut apprendre à perdre. La deuxième condition, il faut apprendre à souffrir. Que la souffrance ne te fasse pas peur. Jésus a souffert à la croix, la crucifixion. C'est dur. La souffrance, que la souffrance ne te fasse pas peur. L'apôtre Paul a dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Tu veux me suivre? Alors viens souffrir avec moi. Pour cette œuvre, Seigneur, accorde-nous la grâce de souffrir pour ton œuvre. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus souffrir. Dès qu'il y a un peu de souffrance, ils restent à la maison, ils veulent plus venir. Ah là-bas, c'est dur. Je préfère rester dans ma zone de confort. Mais c'est un piège de l'ennemi. Tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas avancer parce qu'on ne ressuscite que des morts. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La troisième condition, c'est le sacrifice. Alors, pasteur Ivan est en train d'en parler. Sacrifier. Tu dois sacrifier, offrir ce que tu possèdes. Renoncer à ce qui est précieux. Accepter d'être blessé ou désavantagé au nom de quelque chose d'autre. Sacrifier signifie renoncer à vos biens. Nous devons nous livrer en sacrifice vivant, saint, pur
et irrépréhensible. L'apôtre Paul a compris dans Romains 6 ici. Ici, il a dit de même donc. Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Il y a un prix à payer pour que nous puissions rentrer. Cette église a une destinée. Cette destinée est glorieuse. Parce que ce qui est à notre papa est à nous. L'onction de notre père est à nous. Si son onction, c'est l'onction de l'autel royal, donc ça veut dire que toi aussi, tu as une onction de l'autel royal. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, refuse une vie de petitesse, une vie petite, refuse. Élargis l'espace de nos tentes. Élargis l'espace de ta tente. Parce que nous devons rentrer. Parce que le Seigneur doit glorifier son nom. Ici à Massy, nous allons dire à Massy. Glorifie son nom. Glorifie ton nom ici à Massy. Est-ce que tu peux lever la voix pour Dieu glorifie. Parce que nous te reconnaissons comme notre Maître. Parce que nous te reconnaissons comme notre Seigneur. Parce que nous te reconnaissons comme l'amour de nos vies. Comme c'est lui, là il y a des rochers qui marchent devant nous. C'est lui qui dirige nos pas. Parce que nous voulons voir la gloire des dieux manifeste ici à Massy. C'est pour cela que nous disons glorifie, glorifie. Seigneur, nous soupirons, nous sommes en train de supplier. Tout ce que nous faisons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire palpable. Tout ce que nous décidons de faire, nous voulons voir la gloire des dieux palpable. Toute activité que nous faisons en place. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, que les âmes viennent de l'est, de l'autre, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, parce que Seigneur, tu glorifies ton nom. C'est parce que Seigneur, nous délaissons la première place, nous décidons de mourir, nous décidons de pouvoir, nous décidons de perdre.
afin que le monde puisse prendre conscience que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Glorifie, glorifie ton nom ici en Massy, glorifie ton nom dans cette église, glorifie ton nom parce que nous voulons voir la gloire de Dieu palpable dans toutes les activités. Nous voulons voir les salles remplies, toutes les activités organisées. Nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta main étendue. Afin que Seigneur au Père, que tu accomplisses, Seigneur, les miracles, les signes, les prodiges, que l'amour des dieux soit répandu, que l'amour des dieux sature l'atmosphère d'ici en passé, que l'amour des dieux remplisse l'atmosphère, sature-nous de ton amour. C'est pour cela que tu as prononcé avec nous, afin de nous donner un cœur pur, afin de pouvoir enlever tout ce qui n'est pas les droits, afin de marcher dans l'unité, plaisir. Parce que nous décidons de mourir, alors nous allons voir la dimension de la gloire, la dimension de la résurrection, la dimension manifeste où tu as compris le miracle, le signe, le prodige. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, des mains pour accomplir des miracles, des mains pour accomplir des prodiges, parce que tu nous as donné la domination, Seigneur, sur tous les servants de Dieu. Tout ce que tu as fait, Seigneur, tu nous as donné la domination. Alors nous avons reçu la domination. Alors nous travaillons ici à Massy pour voir la gloire des dieux. Alors Seigneur, viens dominer nos vies, viens dominer nos familles, viens dominer. Et la priorité, Seigneur, ce soit toi, que ce soit nous ayons une vie de sacrifice. Une vie de Seigneur, nous nous sacrifions. Le trône de nos cœurs, et tu sois le premier, notre première pensée au réveil, notre première pensée au coucher, que ce soit toi le seul Dieu véritable, et la vie éternelle qui règne dans nos vies. Glorifie. De la gloire que tu veux voir, alors appelons cette dimension de la gloire, appelons cette dimension de la gloire ici à Massy. Demain nous allons avoir une activité importante qu'on appelle le parc en folie. Nous voulons voir une dimension de gloire comme jamais. Nous voulons voir que les âmes viennent de l'est, de l'ouest, du nord au sud. Nous voulons voir l'amour des dieux palpable. Nous voulons voir des grâces excellentes se déverser. Nous voulons voir une communion fraternelle magnifique. Nous voulons voir cet amour fraternel. Alors élève la voix pour réclamer cette dimension de la gloire. Il faut réclamer. Il faut prier avec instance. Élève la voix pour prier avec instance. Quand tu pries avec instance, tu vas accomplir les œuvres de Élie. Parce que lui, il pria avec instance. Il a vu la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, élève la voix, prie avec instance, réclame. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, je leur ai donné ma gloire. Il nous a donné la gloire. Alors, cette gloire nous appartient. Alors, réclame cette dimension de la gloire. Réclame cette dimension de la gloire. Il a dit, là où la plante de ton pied foulera, il te donne ce territoire en possession. Il nous a donné Massy. Alors, nous avons Massy. Nous prenons possession de Massy. Alors, les âmes, les âmes, les lèvres de la gloire, que la gloire de Dieu nous attire les âmes. Tu attires les âmes. Seigneur, attire les âmes. Tu as vu, tu as commencé par un travail intérieur. Tu as commencé par purifier nos cœurs.
qui a commencé à nous unifier. Maintenant, Seigneur, nous marchons dans l'unité. Nous marchons dans l'humilité et douceur. Nous marchons dans la patience. Nous marchons dans l'amour. Nous marchons dans la paix. Maintenant, Seigneur, viens, Seigneur, accomplir des grandes œuvres. Viens accomplir une œuvre grande, une œuvre profonde, une œuvre merveilleuse. Viens attirer les âmes de l'Est et de l'Ouest. Parce que c'est toi qui envoies. C'est toi qui envoies les âmes. Seigneur, t'as des mots généraux. Seigneur, envoie-nous, Seigneur. Attire-les, Seigneur, dans ta maison. Attire-les, Seigneur. Attire-les dans cette activité. L'activité, Seigneur, le parc en folie. Dans ce parc, Seigneur, pour brocher les mailles. Que nous soyons, Seigneur, nombreux, Seigneur. Parce que c'est dans ta parole. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire du roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Que nous sommes soit pas notre vie. Que ça ne soit pas notre vie, mais que ça soit la gloire de sa majesté, le roi des rois. Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, attire les âmes, attire les âmes, afin que les âmes puissent être touchées par cet amour manifeste, afin que les âmes soient touchées, afin que tu puisses connaître le véritable amour, le Dieu véritable et la vie éternelle. Tout ce que nous faisons, c'est pour le salut des âmes. Toute l'activité que nous faisons, toute l'activité, Seigneur, que nous faisons, la finalité, c'est pour que les âmes soient restaurées, pour que les âmes connaissent le Seigneur. Alors élève la voix, continue à appeler, appelle les âmes, nous appelons les âmes. Viens des Rochaïa, toi qui as dit dans ta parole, dans Éphésiens 5, verset 16, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ te plaidera. Alors, là où tu es endormi, nous te réveillons. Est-ce que tu peux réveiller les âmes? Est-ce que tu peux réveiller les âmes? Est-ce que tu peux envoyer le vide? Réveille-toi, viens des Rochaïa, va à la rencontre de ton époux. Va à sa rencontre, accepte de dormir, là où tu étais assoupi, réveille-toi. Est-ce que tu es en train de rêver une âme? Est-ce que tu as dans ta tête, tu as le visage d'une âme que tu ne vois plus? Alors il y a ta bouche, viens, Seigneur, viens le saisir, viens la saisir par le col, viens la saisir, ramène-la dans ta maison, ramène-la dans ta présence, ramène, glorifie ton nom, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, Anaboshaya, tous ceux qui sont endormis se réveillent aujourd'hui. Que la lumière soit dans leur vie, que la lumière soit dans leur vie. Réveille-toi là où tu es, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Christ te plaidera, que la lumière véritable puisse rentrer et touche toutes les âmes qui sont assoupies, toutes les âmes qui ont rétrogradé, oh, qui se posent des questions, que ces âmes soient ramenées à toi, que ces âmes soient ramenées, que ce soit dans nos familles, que ce soit nos voisins. Que ce soit nos collègues de travail, que ce soit toutes les personnes que nous connaissons dans l'église qui se sont refroidies. Seigneur, oh Yadaroche, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Père de miséricorde, tu es le Père, tu es fait grâce. Si tu fais grâce à qui tu veux faire grâce, Seigneur, nous t'implorons, tu as vu la disposition de nos cœurs. Nous sommes unis, nous sommes un et nous prions à toi. Et tu as dit, celui qui prie à toi, celui qui invoque le nom du Seigneur sera secouru, sera délivré. Adamoshaya, nous nous offrons un sacrifice, nous nous offrons un sacrifice. Tu as dit, Adamoshaya, offre un sacrifice pour l'élévation des grâces. Nous t'avons rendu grâce. Seigneur, depuis ce matin, nous ne cessons de te rendre grâce, nous ne cessons de te bénir pour ce que tu as fait depuis, Seigneur, le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, depuis la première partie de l'année, pour cette église, pour Seigneur, tout ce que nous avons vu. Nous n'avions pas d'église, tu nous as donné une église, nous avons une famille spirituelle, aujourd'hui nous sommes ensemble, à la table des roches, nous reconnaissons que c'est ta main qui l'a fait, nous reconnaissons que c'est ta grâce qui nous a secourus. Ah Seigneur, nous t'avons rendu grâce, nous offrons un sacrifice, les actions des grâces, Yévé Boshaya, nous accomplissons Seigneur, nous accomplissons nos vœux, nous venons Seigneur,
avec nos offrandes. Nous venons avec nos talents, nous venons avec notre temps, nous venons avec nos dîmes. Nous nous abandonnons à toi, nous te laissons la première place. Maintenant, Seigneur, accomplis une œuvre grande, une œuvre profonde, une œuvre merveilleuse. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de ta servante, de ton serviteur. Souviens-toi, Seigneur, de toute personne qui a sémé dans cette église, toute personne qui a sémé dans cette église et qui se retrouve affaiblie. Souviens-toi, viens le saisir, viens la saisir par le col. Ramène-la, Yadaboshaya, que ses offrandes paient. Oh, Shambhavaush, que Seigneur le sacrifice, que ce sacrifice, Seigneur, à quoi tu puisses parler, Seigneur, que le sacrifice, l'autel qu'ils ont vécu, Seigneur, que cet autel parle pour leur vie. Alors, Seigneur, aujourd'hui, viens réveiller, réveille, réveille, Seigneur. Nous te supplions, ramène, Seigneur, les âmes dans ton église, ramène-les, tous ceux qui sont, toutes les âmes qui se sont refroidies, ramène-les, Seigneur, à Yandavosh, à travers cette activité, par ton folie. Ça sera une journée, une après-midi de réconciliation, une après-midi où nous allons nous retrouver une famille, une merveilleuse. C'est pour cela que nous te disons, glorifie ton nom, glorifie. Oh, glorifie ton nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer et lui dire glorifie, glorifie? Glorifie. Nous voulons voir une église avec la ferveur. Qui était dans la montagne. C'est pour cela, Seigneur, la volonté de Dieu, ce n'est pas de lever un homme, mais c'est tout un peuple que tu veux lever. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous tournons vers nos frères et sœurs qui se sont refroidis. Aujourd'hui, c'est une chaîne, une main tendue. Seigneur, nous tendons les mains vers toutes les personnes que nous ne voyons plus, qui se sont refroidies, afin de les saisir et de les attirer et de les ramener à toi. Tu es en train de faire une opération, tu es en train d'accomplir des grandes choses. Maintenant, il y a des prochaines, il y a une manifestation spirituelle, il y a une manifestation des anges, le ministère des anges sont envoyés, nous libérons le ministère des anges. Les ministères des anges sont en train d'environner de grâce toutes les personnes qui se sont refroidies. Les personnes qui étaient blessées, oh, ils ont pu être emportées par le Seigneur. Que le ministère des anges soit libéré pour aller les localiser. Viens les localiser et ramène-les, Seigneur, dans ta maison. Ramène-les parce que nous voulons glorifier ton nom ici à Massy. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons que ta gloire se révèle, se manifeste. Nous voulons, Seigneur, que tu accomplisses une œuvre grande, une œuvre merveilleuse, une œuvre profonde dans nos vies. Nous voulons que tu les fasses parce que tu es un Dieu de miracle, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu magnifique, tu es un Dieu, il n'y a pas de limite. Parce que tu es grand, Ayakan de glorifie, glorifie. Non, je ne m'éteindrai pas, je ne m'éteindrai pas, parce que tu as dit dans Isaïe 62, ah, pour l'amour du Sion, je ne m'éteindrai pas, pour l'amour du Sion, je ne m'éteindrai pas. Alors, tant que nous n'avons pas vu, nos âmes, les âmes revenir à toi en masse, nous n'allons pas nous taire. C'est que nous voyons la manifestation, que nous voyons la gloire de Dieu palpable, que cette église remplie, que cette église dépassée, débordée, et que tu puisses nous déménager pour pouvoir rendre une grande église. Parce que tu as dit à travers la bouche de son serviteur, l'onction de ton serviteur, ce n'est pas une onction de 50 personnes, ce n'est pas une onction d'une église de 50 membres. C'est une église, c'est une méga-church, le plus petit d'entre nous.
est un millier. Le plus petit d'entre nous est un millier. Le plus petit d'entre nous est un millier. Aïe, 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 confirme la parole de ton serviteur. Confirme maintenant la parole de ton serviteur. Confirme cette parole dans cette saison. Confirme, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire manifeste. Glorifie ton nom dans cette église. Dans cette église. Acadé, broché, et la main dans vos chats. Et cadabra, cababaya. Au point de broché, au cadabra, cababaya. Au de broché, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur glorifie. 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 Les activités que nous allons avoir, le parcours fourni à Kabaya des Rochers. Recommande, élève la voix. Recommande afin que tous les aspects, tout se déroule comme le Seigneur veut. Parce que nous voulons que tout soit bien réglé, que tout soit en harmonie, qu'il n'y ait pas de quoi. Non. Nous allons recommander les intervenants, tous les intervenants. Le coach sportif, Jean-Luc Dorazos. D'où il va venir du 94 ou du 93. Que tu le gardes, que tu le fortifies. Et qu'il vienne coacher. Parce que la parole de Dieu dit, un esprit saint dans un corps saint. Tu as besoin de ce corps pour accomplir la gloire de Dieu. Pour manifester les projets de Dieu, tu as besoin d'un corps saint. Alors c'est pour cela qu'il est important d'avoir, de faire appel au coach sportif et qu'il nous aide à pouvoir nous fortifier dans notre corps. Alors est-ce que tu peux recommander Martin de Boucher, des babas, des babas, et pas de babas, ah Seigneur, nous voulons étendre ta main. Martin de Boucher, tu coaches. Là où il est, merci de le fortifier. Merci de le fortifier. Qu'il soit gardé. Viens l'environner de ta grâce comme un bouclier. Donne-lui la force. Donne-lui la capacité de se lever en forme. Seigneur, garde son départ, son arrivée. Garde sa vie. Afin, Seigneur, qu'il vienne pour fortifier dans le corps. C'est nous, ici, dans cette église, tu as vu la disposition de son cœur. Il vient par amour, il vient par l'amour fraternel, il vient parce qu'il sait que ses frères sont ici et il veut venir nous faire du bien. Merci pour de telles personnes que tu as mis à nos côtés afin de pouvoir, pour que la communion fraternelle soit, Seigneur, palpable, pour que l'amour fraternel soit palpable, pour que nous soyons coachés dans notre corps, parce que tu as dit dans ta parole, un esprit saint dans un corps saint. Nous avons besoin d'un corps en forme, un corps qui apprend à faire des exercices afin de se lever, afin de pouvoir avancer et faire la volonté de Dieu, parce que un esprit, aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans un corps.
nous devons apprendre à bien soigner nos corps, à bien traiter nos corps. C'est pour cela que c'est important d'avoir des tels hommes qui viennent. Seigneur, nous te bénissons, nous rendons grâce pour sa vie. Merci pour son action, merci pour son ministère, merci pour ce qu'il fait. Continue, Seigneur, à le faire prospérer à tous égards pour prospérer l'état de son âme. Merci, Seigneur. Nous recommandons l'activité du sportif, l'activité sportive à ta grâce. Qu'il n'y ait pas de pépères. Qu'il n'y ait pas de couacs, que personne se retrouve blessé ou dérangé dans ses jambes ou dans ses bras. Parce que là où tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous environne de ta grâce comme ton père. Alors nous anéantissons tous les projets de l'ennemi, tous les projets de déstabilisation, nous les anéantissons dans le nom de Jésus. Élève la voix, anéantis tous les projets de sabotage, de déstabilisation qui peut venir déstabiliser, empêcher que nous puissions accomplir, à manifester la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu manifeste, parce que au sortir de cet événement, et nous devons tous avoir une seule envie de nous retrouver, une seule envie de chercher la face du Seigneur. Nous serons vus d'être toujours en face, de toujours être ensemble en communion fraternelle. Alors, aucun point, aucun dérangement, aucune déstabilisation ne sera notre partage. Nous refoulons au loin tous les tentatives de déstabilisation de l'ennemi. Le sang de Jésus parle, Seigneur, qui couvre ses cheveux, qui couvre toute l'activité, toutes les activités qui auront lieu. Que ce soit l'activité Zumba, que ce soit le temps des quiz, que ce soit le temps de la communion fraternelle où nous mangeons ensemble. Et tout est protégé, tout est préservé, tout est sanctifié, tout est gardé, Seigneur, parce que ta main est étendue sur nous. Seigneur, tu as dit là où tes enfants sont là. Là où, Seigneur, tu nous relis, tu déverses ta bénédiction là. Alors, bien-aimé, alors que nous allons nous venir, que tu déverses ta bénédiction en abondance. Elle est la voix, Kadamoshé des babas, que cette parole s'accomplisse. L'abondance de grâce, que nous recevons l'abondance de sa grâce. L'abondance de sa grâce, parce que tu as dit, tu déverses ta bénédiction en abondance. Seigneur, cet amour fraternel, cette communion fraternelle, ce moment, Seigneur, soit un moment béni. Alors, nous allons sortir de ce moment canalisé, rempli, il y a des bouches et des barrières. Rempli des grâces excellentes. Parce que dans cette saison, Seigneur, nous avons besoin de voir les grâces excellentes, les grâces manifestes, parce que tu déverses dans ton église une grande grâce pour manifester la moisson, la grande moisson. Il faut une grande grâce. C'est dans cette saison. Alors, à travers ces vases, à travers ce moment, viens déverser l'abondance de ta grâce et le don de ta justice. Nous saisissons ceci afin de régner dans cette vie. Ici à Massy, nous régnons. Ici à Massy, nous allons voir la gloire de Dieu. Alors nous allons élever la voix par rapport au temps météo, afin que la météo nous soit favorable. Nous nous souvenons l'année passée, Dieu nous a fait grâce. Mais il y a eu un déluge qui était venu à un moment, qui avait perturbé à un moment l'activité. Alors nous allons élever la voix. Parce que il y a une parole qui dit, nous sommes les enfants de Dieu. Que ce soit le froid, la pluie, la grêle, tout ça c'est la créature de Dieu. La créature est faite pour être au service des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants. Elles sont la créature. Donc la créature ne peut pas empêcher les desseins de Dieu s'accomplir. Nous réunissons pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Amen. Alors élevons la voix afin que la météo nous soit favorable, afin que le temps nous soit favorable, afin que nous puissions avoir un beau temps.
pas un soleil extrême qui nous empêcherait de faire du sport correctement. Mais un temps radieux, un temps qui nous permet de pouvoir agir, de faire toutes les activités et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient perdues et que nous puissions prendre plaisir à ces moments. Seigneur, que la météo ne soit favorable, le temps ne soit favorable. Seigneur, qu'il n'y ait pas de pluie qui vienne ravager et détruire le déroulé de cet événement. Que l'événement se déroule correctement. De midi à 17h, que la gloire de Dieu se révèle et se manifeste. Seigneur, nous te bénissons, nous élevons, nous te glorifions, car nous savons tu es fidèle et juste pour accomplir ce que tu dis. Seigneur, nous, tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors nous te recommandons ce moment, nous te recommandons cette activité. Alors nous savons, Seigneur, tu agiras parce que nous mettons notre confiance en toi. Parce que, Seigneur, ta volonté est de voir tes amis et tous tes enfants venir. Allez, que tu déverses ta bénédiction en abondance. Parce que dans cette saison, tu veux nous faire prospérer à tous égards. Qu'on prospère l'état des deux ans. Merci, Seigneur. Et nous allons clôturer avec ce temps de prière. Juste pour prier par rapport au transport. Qu'il n'y ait pas de problème de transport. Qu'il y ait une organisation qui nous permet à ce que toutes les personnes puissent venir facilement à cette manifestation. Qu'il n'y ait pas de grève. Qu'il n'y ait pas d'accident. Qu'il n'y ait pas d'incident. Que le sang de Jésus garde nos années et venir. Que nos départs soient gardés. Que notre arrivée soit gardée. Et nos retours soient gardés. Est-ce que tu peux lever la voix quand des rochers de ta maman bouche? Ah, quand des rochers de ma maman bouche, aïe, il y a des machins qui m'a maman bouche. Et quand des machins de ma maman bouche, aïe. Ah, Seigneur, c'est toi qui nous gardes. C'est toi, Seigneur, qui nous protège. Parce que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui est notre refuge. Seigneur, à l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui te craignent. À tout danger, arrache chacun d'entre nous à tout danger. Toute personne qui arrivera à ce qui a le plan de venir à cette manifestation au parc en folie, alors que cette personne soit gardée, protégée, barricadée. Seigneur, l'armée de l'éternel environ. Seigneur, par ta maille de roche. Seigneur, toi qui nous enveloppe de ta grâce comme un bouclier. Toi qui nous enveloppe. Continue à nous garder, continue à nous protéger, continue à nous préserver. Le ministère des anges, Seigneur, est libéré à notre service afin de nous protéger, afin de nous garder, afin que tout le déroulement de l'activité soit fait correctement et qu'il n'y ait aucun incident, aucun accident. Nous allons à déplorer aucun incident. Parce que nos vies sont tachées par cette triste voiture. Nous te bénissons, nous t'élevons à toi qui fais toutes choses à merveille. Alors, tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux dire que tu es alors tu glorifieras ton nom à travers le monde.
Quelle est la voix pour notre grâce? Grand grâce pour ce temps passé, ce temps de préparation spirituelle. Grand grâce à Dieu, lui qui nous a secourus, lui qui nous a accompagnés, qui nous a demandé encore. Il a dit, pour voir la dimension de la gloire, il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes. Alors, cette mort, nous devons accepter de perdre ce qui est cher. Nous devons accepter de laisser partir des choses afin de gagner Christ. Nous devons accepter de souffrir. Ah, parce que nous voulons souffrir comme un bon soldat de Christ. Pour cette œuvre, nous devons accepter, Seigneur, de pouvoir payer le prix, avoir une vie de sacrifice, l'obéissance, nous sacrifier nous-mêmes, et sacrifier, donner une portion de nous, afin que ton œuvre prospère, afin que notre autel soit chauffé. Assurément, l'autel de Massif Palaiseau sera de plus en plus chaud, parce que nous décidons d'avoir une vie de sacrifice. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait ici. Merci Seigneur, parce que Seigneur tu as agréé ce temps de prière, parce que nous avons prié selon ta volonté. Alors Seigneur, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à voir ce que nous avons demandé. Et nous savons que tu es fidèle et juste pour nous donner ce que nous avons demandé. Seigneur, nous croyons que tu dis un mot et la chose s'accomplit. Toi tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Alors Seigneur, que nous clôturons ce temps. Père, nous recommandons nos retours entre tes saintes mains. Garde chacun d'entre nous. Environne-nous de ta grâce comme d'un bouclier. Que l'ange de l'Éternel tente autour de ce qui te craint et nous arrache à tout danger. Que nos vies demeurent cachées en Christ. Que ton sang parle pour chacun d'entre nous. Seigneur, nos sangs sont purs. Parce qu'il n'y a pas de traces de virus, de coronavirus à l'intérieur de nous. Parce qu'enseigné, nous les séchons à la racine. C'est consumé dans le nom de Jésus. Personne sortira souffrant. Amen. Parce que nos vies sont cachées avec le Christ en Dieu. Nous avons la vitalité de Dieu. Merci de donner la force du buffle à ma soeur et à mon frère. Rêve. Celui qui avait la tête abattue, aujourd'hui, tu nous permets de marcher avec fière allure. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris? Amen. Gloire à Dieu. Viens te bénir encore ce soir. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment.